le chef. On va toucher le robot 5 000 5 000 chaque jour. Mais qu'elle arrête, avant moi qu'elle arrête. Attends, attends, tu es sûr que mon étudiant, elle vend pour elle à 10 000 indiques. Hein. Si toi tu dis 5 000, il n'y a pas de discours ici après. Hein. Je te dis que Jarabi, Jarabi, je viens de comprendre ça. Dès que je prends un toucher de moi, là, je prends fait pour tout le monde. Ok, il faut envoyer le toucher, le quand même. Odeur le 8, non? Oui. Ok, si tu as le toucher, il faut voir. Il y a un coordonné, payer 5 t-shirts pour 5 de mes abonnés. D'accord. Parce que c'est la seule situation. Moi, je dis que c'est Yaya même. C'est Yaya. Ok, donc on te fout alors. Donc voilà ce que moi je voulais dire là, quand Nicole va rentrer, AMG Salon va activer si maman Tina. Elle va dormir à l'aise même. Voilà, et puis qu'elle arrête cette bêtise. Son livreur, on doit le rechercher aussi. Mais c'est qui livre à maman Tina là? Mais façon que, attends, façon que vous vendez les t-shirts, si les autres achètent, ça n'a pas créé un autre dissous là-bas. Là, c'est dans notre quartier, nous on a commencé. Ok. D'accord. Ah, fais les t-shirts, on passe. Non, mais pourquoi, bon, attends mon frère, pourquoi tous les sosies là, c'est chez vous, ça quitte à Kumasi? Sosie de Monsieur Solo Gucci là, c'est Kumasi aussi quoi. Oh, ben à boycotter le dessin, ma comparé à Solo Gucci. Ok. Ok, on va donner la parole à Séduction. Séduction, ouvre ton micro. Séduction, ouvre ton micro une fois. Séduction, ouvre ton micro deux fois. Séduction, ouvre ton micro trois fois. Voilà, laissez moi descendre en bas là. On va donner la parole à Monsieur Jordi, Jordias. Jordi. Jordia. Jordi. Ah, tu as fini. Oui, on vous écoute, on vous écoute. Hey. Ok, je suis monté pour me prononcer sur ce qui se passe actuellement là, concernant notre maman, de notre maman nationale. Hein. Voilà, quel que soit le comportement, bon, l'agissement de notre maman, on ne peut pas tirer sur elle. Mais quand même, ce que moi j'ai à dire aujourd'hui, moi j'ai le cœur maître parce que où je suis là, je suis vraiment, vraiment découragé du comportement de notre maman. Mais quand même, je ne vais pas me fâcher, je ne suis pas fâché contre elle. Depuis que Yorobo est mort, il est parti. Tous les Chinois se sont mis derrière. C'est-à-dire, on a créé un bon pour dire que non, notre vieux Moro va les célébrer chaque année. Chaque année, on va faire. On va faire tellement que non, il sera plus en haut que bon, mais même quand on dit chaque 11 mai ou bien, je ne sais pas quoi. Mais à cause du comportement de la vieille mère, aujourd'hui là, quand même on vend t-shirt, même, ça ne peut pas finir. Parce que quand tu as venu ici là, quand tu as pris telle chose, on dit que non, telle chose là, c'est intouchable. C'est pour Yorobo. À chaque moment, c'est comme si c'est frustration maintenant. Quand tu vas parler de Arafat, toi-même, tu te sens rejeté même. Hein? Voilà, un petit comme ça, comme Nicapol, qui a même à peu près, on peut dire à peu près, ou bien même âge que ton petit-fils qui est Maël. Tu as venu, Nicapol va venir s'arrêter et s'asseoir, allumer caméra pour te lancer Tchourou. Tchourou que nous tous on connaît. Nicapol a parlé, va dire dedans. Ça fait vraiment honte. Qu'arrive un moment là, la vieille mère, elle puisse se calmer. On sait que les trucs de Yoro là, c'est déjà scellé, c'est tout. Un jour, moi-même, j'ai fait une vidéo, j'ai mis ça sur ma page Facebook. Ce que Facebook m'a dit là, c'est pas quelqu'un, c'est pas matin, à 8h, je joue ça jusqu'à 13h. Mais aujourd'hui là, quand on parle des 12 août, chacun a peur. Parce que quand tu as acheté un t-shirt là, on sait jamais. Tu as venu faire publicité, tu sais, ah, moi ici dans mon t-shirt, tu sais pas s'ils vont venir tomber sur toi ou pas. Donc, que la vieille mère se calme. Parce que tout ce qu'elle attend de faire, c'est comme si elle attend de frustrer tous les fans d'Arafat. Moi, je ne vais jamais détester Yorobo.
Quelqu'un qui t'a rien fait, tu peux pas le détester. Mais quand même, que notre vieille, un autre moment là, elle se calme. Parce que quand tu as fait comme ça, tous les enfants vont te manquer de respect. Arrive un moment, petit Maïla, même, s'il allume sa caméra pour dire que Nicapo, je suis pas d'accord avec toi là. Mais les gens vont l'allumer parce que c'est sa mémé qui a donné l'opportunité à tout le monde de venir manquer de respect. Donc, arrive un moment là, on aime notre maman, on aime nos grands-mères, mais quand même là, qu'elle sache faire la part des choses. Nicapo aussi là. Voilà, c'était un peu ça que je voulais dire. Vraiment, merci beaucoup à la vieille mère Djarabi pour ce beau combat. Yorobo. Il a qu'à savoir que là où il est là, nous on l'aime. Aujourd'hui, là, il n'est plus d'artiste. Ça me fait très mal, okay. Mais il n'a qu'à se calmer. Merci. D'accord, Kevin. Merci, Kevin. Kevin Bonheur, une fois, deux fois. Kevin. Ami, tu vas gérer, non? Moi, il y a des gens, non? D'accord, ok, j'ai gérer, merci. Non, attends, d'abord, Love Buzz, on t'écoute. Bonjour tout le monde. Bonjour. Djarabi des jours, hein. Et ta santé, ça va non? Oui, ça va, je suis là. Djarabi, faut laisser Yael gérer. Maintenant, il y a appelé. Celui qui gère son quoi là, même, magasin ou quoi là même là, il y a appelé, il dit, elle est dans faux par là qu'elle entre, elle a arrêté. Le son, faut aller écouter le pita très bien. C'est Sangue Bé de 5 étoiles. Après ça, Arafat est venu, je suis sorti, vous dites Sangue Bé avec lui et puis de Bordeaux. Ah, maintenant, 5 étoiles, c'est à cause de ça. Ceux qui se rappellent de leur discours, 5 étoiles et puis Arafat, et puis ils ont fait parler dans le bar là. Ils ont fait discours dans le bar. À ceux qui se rappellent là, ils vont se rappeler. C'est pas qu'ils tapent. Ils vont se rappeler. Ils vont se rappeler. C'est ça qu'ils tapent parler là. Et le qui est là, ce sont des toits. Pas sur Arafat qui doit maman tu n'as même arrêté en fait le combat zéro même les combats qui n'ont pas de tête que rien si tu aimes ton fils autant il est décédé c'est vrai il est parti ça nous fait nous tous mal ça te fait la paix parce que c'est ton fils et ton l'un des et c'est ton fils qui est plus grand oui on comprend et puis après ça tu as perdu sa fille oui on sait qu'il a du mal ça fait mal. Mais c'est pas ça, tu as dit, moi sur la toile. Elle dit, une mère, c'est quoi? Maman, là, c'est maman. On t'entend pas, hein? On ne sait pas pourquoi là. Eh, Kofi, on t'écoute. Là, un peu comme les t-shirts. Ça, c'est une honte, hein? C'est une très honte. Parce qu'elle sait que ça ne peut pas partir à Kripa. Par rapport au frère qui parlait sur le son, là. Effectivement, le son n'est pas pour Arafat. La mélodie, même, on peut dire, c'est pas pour Arafat. Donc, elle ne peut pas partir au Birida, aller porter plainte, pour dire non, il va arrêter Nicapol. Par rapport à le son. C'est, tout le monde danse sur le son. Et c'est la team qui ne danse pas sur le son. Pourquoi elle ne se plaint pas? Et puis, pour la moment aussi, je peux dire que c'est mieux qu'on arrête de parler d'Arafat. Parce qu'à chaque moment que les cérémonies d'Arafat vont commencer, qu'ils vont vouloir parler d'Arafat, elle va se lever pour diminuer les gens, les fans d'Arafat, tout. Donc, moi, tout que c'est mieux qu'on arrête de parler d'Arafat. Il faut qu'on passe à autre chose. Il y a un autre artiste encore qui sont vivants, c'est mieux de parler d'eux que de parler de quelqu'un. Chez moi, et puis quand on veut l'honorer, il y a toujours parlable d'abord en avance. Donc moi je vois hein, que c'est mieux qu'on parle de autre chose que de parler d'Arafat toujours. Si la maman même ne veut pas nous donner la considération de la fin d'Arafat, comment toujours parler de lui? C'est mieux qu'on arrête de parler de lui. C'est le point que moi j'ai dit. Oui, je peux parler. Oui, on t'écoute. Oui, en fait, Djarabi, personnellement, on a tous vu l'intervention de Morantina et puis on a vu aussi hier la sortie de Nicapol. Bon, Djarabi, personnellement, on n'a qu'à se dire la vérité. Le petit danse dans la chanson, même si c'était parce que c'est le petit, pour petit, il ne reste pas à l'étranger. Il dit que c'est pas T-shirt qui va payer, c'est quoi qui va payer pour Rafna. Rafna même a plus balle perdue dans l'affaire là. Moi, je pense que Maman Tina n'a qu'à se ressaisir. Parce que oui, c'est elle qui a mis Arafat au monde, mais Arafat appartient à toute la Côte d'Ivoire et puis à toute l'Afrique, on va dire. Donc, si une personne aussi, en fait, si une personne danse sur la chanson de Didier Arafat, moi, je ne vois pas le mal. Parce que c'est vrai, c'est par rapport un peu aussi à Nicapol que la chanson a été réveillée. Parce que maintenant, rare personne même danse les chansons d'Arafat. Donc, sur le petit danse dessus, moi, je ne vois pas où est le mal. Il faut qu'elle arrête parce que c'est une maman. Les gens sont pas pareils, les gens n'ont pas reçu la même éducation. Il y a des personnes, elles vont sortir pour les insulter. Et ils vont pas répondre. Mais il y a certaines personnes qui vont répondre. Et quand les enfants vont sortir pour répondre, pour l'insulter, ça va plus lui faire mal.
parce que c'est elle qui est plus âgée. Une personne que tu peux avoir comme petit-fils, soit pour te manquer de respect, vous voyez que c'est un peu déplorant. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire. Moi, je ne vois pas le mal dedans parce qu'il n'a pas pris le micro pour chanter chanson de Rafal. Il a juste dansé dessus. Donc, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, Jarabi. Ok, merci beaucoup. Kofi, on vous écoute. Ouais, excuse-moi, je reviens encore. Ce qu'il a dit, m'a parlé, tout ça très bien. Parce que, d'abord, elle sait qu'on met les sons de Arafat dans la rue. Elle se plaint. Donc, après, elle se plaint si Tata Naomi, tu as mis le son à Ozo. Il faut qu'elle arrête. Parce que où est d'abord le deuxième? Où on met le son de Arafat maintenant? Dans les maquillages, on met toujours le son d'Arafat. Ozo vacances, ils ont mis le son d'Arafat là-bas. Tu t'es pas levé pour dire que tu vas porter une plainte. Rien, rien. Parce que c'est le son de ton fils. Il est décédé. Ils ont demandé ton opération pour mettre le son dans Ozo vacances. Le combat, c'est de voir le gouvernement pour honorer Arafat chaque année. C'est pas le combat de déstabiliser les fans d'Arafat. Quand c'est comme ça, nous tous, on va laisser Arafat entamer. Puis le conseil, que ce que tu parles, aller payer le t-shirt. Qui va le payer? Personne ne va le payer. Toi seul, tu vas porter le t-shirt. Donc, si tu causes à la maman, c'est mieux que c'est calme. Voilà. Parce que Arafat n'est pas pour elle seule. Arafat est pour tout le monde. Pourquoi pour les membres qui sont décédés dans l'erreur et puis Arafat n'en peut pas? Donc, il faut qu'elle arrête. C'est le moins qu'elle fait le combat, le gouvernement, pour que chaque année, on puisse honorer Arafat. Pour que chaque année, on puisse honorer Arafat. Vous dites que Arafat appartient à la Côte d'Ivoire, il l'a fait, il était pour la Côte d'Ivoire. Donc le gouvernement doit le célébrer. C'est tout. Donc elle a arrêté de prendre Nicapol pour dire que, d'abord, d'une part, elle insultait l'enfant. C'est elle qui insultait l'enfant au début. Non, c'est pas l'enfant qui l'a insulté. Donc, tu veux t'adresser à un enfant, tu l'appelles, vous essayez de causer, tu n'as pas venu à la télé et puis l'insulter l'enfant directement. Si c'est moi, moi aussi je te réponds, même si tu agis que moi, je te réponds. Parce que tu vas venir m'insulter, puis après, tu vas venir me dire de venir payer tes t-shirts. Non, ça, justement, je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc, c'est tout ce qu'il a dit. En premier temps, tu humilies un enfant devant toute la télé nationale. Et après, moi, je dirais qu'elle a honte. Voilà, c'est pourquoi elle a posé ta caméra pour dire que l'enfant n'a pas venu chercher son t-shirt ou quoi, je ne sais pas. Voilà, moi, à la place du petit, franchement, le respect, il est mutuel, que ce soit avec tes camarades ou avec une grande personne déjà. On t'entend pas, c'est les oiseaux, on t'entend. Tu as pas mis les niches des oiseaux bien. On t'entend même pas. C'est le bruit des oiseaux, là, on entend sur le midi. Ok, Géraldine, on t'écoute. Ok, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Jérémy. Apparemment, ils ont tout dit. Hein. Moi, la seule chose que je vais dire là, c'est par rapport à la vieille. Tu vois, ça fait que même aujourd'hui là, même 12 août là, même là, c'est plus important. Quoi. Au début là, c'était trop chic. Elle a laissé toute la Yorogan, tu vois, toute la famille, la Chine était prête. Mais elle, là, elle a tout pris. Ça n'est pas. Attendez, donc si on comprend actuellement, c'est elle seule qui est au devant de tout Oui, c'est elle seule. C'est elle. Moi, je pensais que c'était une histoire des gens passés, Nicapol a fait tout. Donc, c'est une histoire comme cela. Ok, on t'écoute. Tout le monde a fait. Attends, il va plus de parler, on t'écoute. Elle, c'est vrai, c'est ton enfant. Mais lui là, c'est une star. C'est une légende. C'est une star de tout le monde. Maintenant, elle là, c'est vrai que c'est toi qui l'as mis au monde. Quand même, donc si elle vivait pas là, nous on l'a fait comment? Elle n'a qu'à laisser son affaire de. C'est mon enfant. Oui, c'est ton enfant. On reconnaît que c'est ton enfant. Mais après tout là, c'est une légende. Mais c'est normal que le petit se parle comme ça? En fait, si tu veux bien comprendre, le petit là, c'est comme ses balles perdues. Et en vrai, la pauvre, la pauvre. Le petit veut dire que c'est mieux qu'il prenne l'argent pour aller donner à Rafina. Mais en fait, il a changé. Sinon, si c'est moi, c'est mieux que je prenne l'argent et puis donner à Rafna et d'aller payer les t-shirts. C'est le mot qu'il a dit en bas là. Attends, on va parler maintenant, s'il vous plaît. Qui parlait maintenant? Géraldine, c'est toi qui parles, on t'écoute. Non, c'est moi qui parlais. Mais Géraldine, on n'a pas fini, tu l'as coupé. Non, j'ai fini. Ok, on t'écoute alors. Et Jarabi, s'il te plaît, Jarabi, est-ce qu'ils ont pu taguer maman Tina? Parce que souvent, quand on la tague là, elle vient. Non, on a encore la taguer, on t'écoute. S'il vous plaît, taguez mon Matina. Tu voulais parler, non, t'écoute. Elle est occupée par les événements. Oui, en fait, parler, non, non Jarabi, moi j'ai tout dit. Moi, j'ai fini de payer. Dieu n'a qu'à arrêter ça. Jarabi, dans ça, là, nous tous, on a vu que Nicapol n'a rien fait. Nicapol n'a pas pris micro pour chanter chanson de Arafat. Il a juste dansé sur le son. Il n'a même pas micro. Il danse juste dessus. Si maintenant, on n'a plus le droit encore de danser sur les chansons de Arafat, franchement, c'est devenu autre chose, quoi. Il faut que maman Tina arrête. Parce que ce que les gens disent, là, c'est ça qui est là. Elle fait en sorte que l'étoile de l'enfant commence à s'éteindre de temps en temps. Parce que toutes les personnes qui vont commencer à se mettre devant le truc de Arafat, elle les insulte. Elle dit que c'est elle qui a mis son enfant au monde. Donc là, c'est truc, quoi.
Vraiment, ça fait pitié, quoi. C'est pas bien. Toi, Jair Mousso, là, toi-même, faut la taguer, là. Il t'a demandé, il a parlé de toi. Chinois, en fait. Voilà. Aujourd'hui, que ça soit Aboulou, le ministre, que ça soit Momo, que ça soit Ismaël Edesh, que ça soit les fiancés qui parlaient beaucoup d'Arafat, ils ont arrêté tout ça, là, aujourd'hui, à cause de qui? À cause de qui, maman Tina? Et tous aujourd'hui, là, ils ont arrêté tout ça, là. Sinon, chaque année, moi, je suis dans le groupe de Aboulou. Ici dans le groupe de presque tout, mais aujourd'hui, presque tous ces personnes là aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui a venu dans le groupe. Vous dites, les gars, hey, voilà, motivation, voilà ça, voilà ça, voilà ça. Il n'y a pas. Aujourd'hui, chacun dit, chacun n'a qu'à fêter le 12, la mort d'Arafat dans son pays. C'est vrai, il te coupe pas la parole. Attends, normalement, avant que le 12 va arriver, ouais. Quand on va dans le 10, comme ça, non, le 7, comme ça, mais le 8, comme ça, on doit tous être là, motivés, faire les pubs, tout et tout. Parce que ça, c'est pas un petit événement, ça doit être grandiose. C'est-à-dire, ça doit être intéressant, on doit être content, on doit être heureux, on doit danser même, on doit faire certaines choses même que, c'est-à-dire, le mot même aimait. Bon, si les portes aussi sont fermées, si certaines personnes qui veulent gérer ces mouvements, c'est compliqué aussi, hein. C'est-à-dire, chaque 12 août, là, ça serait bizarre. Oh, pourtant, chaque 12 août, là, ça doit marquer les Ivoiriens. Ça doit être un jour même où est-ce que même là, toute là, allez, tous les communes d'Abidjan, même là, doivent être mouvementées. Les tricots partout, tout le monde a un truc. Je sais pas si vous voyez un peu, façon, par rapport à, façon pour Bon Malé, elle, là. Mais Bon Malé n'est pas Ivoirien, mais quand on parle du 11 mai comme cela, là, tout le monde soit en Bon Malé. Vous voyez un peu, les amis. Donc, là, tiens. On t'écoute, hein. Tu peux parler. Ok. Donc, c'est un peu ça. Aujourd'hui, la dernière fois, après la mort de Yoro, père à son âme. Avant le truc, le ministre, le gars de la gang, le ministre Aboulou, Momo, Ismaël Edesh, certaines personnes, ils sont rentrés en contact avec nous qui sommes en Côte d'Ivoire ici. Ils sont rentrés en contact avec nous, ils nous ont dit certaines choses, on a mis certaines personnes devant pour aller voir Maman Tina. Qu'est-ce qu'elle nous a pas montré là-bas? Les bœufs côté son enfant sur la terre, elle n'a rien fait, elle est restée dans son coin. Mais là, aujourd'hui, le petit n'est pas là, le petit est mort, tu as rendu tout le djel. Le petit n'est pas marié légalement. Donc le djel là, si on peut dire, ils ont partagé par rapport à ses enfants, et puis par rapport à ce truc. Elle a eu mouvement. Mais qu'est-ce qu'elle a fait pour relever, pour que le nom d'Arafat continue toujours de briller? Rien. Elle n'a rien fait. Le contraire, elle a peu côté. Quand Arafat est mort, il y a Yorogang là. Les gars essaient de relancer la Yorogang. D'abord, elle a attaqué Ali Le Côte. Après, elle a commencé à attaquer son manager, Anou Le Jaguar. Elle a commencé à attaquer les morts. Et tous ont quitté la Yorogang. Aujourd'hui, un truc a boumé l'éléphant là. C'est un mort d'Yorogang. Mais aujourd'hui, tellement que le petit a vu ça, le petit a pas. Mais aujourd'hui, a boumé, il brille. Il tue, mais lui, c'est que c'est Yorogan qui l'a fait, c'est Yorogan qui l'a lancé. Mais Dieu, tous ces tâches sont partis, ça, Chouchou Salvador, tous ces sont partis, ils ont laissé la Yorogan, ils ne parlent plus de la Yorogan, oh, c'est la Yorogan qui l'a fait, à cause de qui? Ces personnes vont se lever, je dis, oui, Yoro là, c'est voilà ce qu'il a fait. Le truc ténor, il a fait un featuring avec Arafat, péter les plombs. Et Arafat avait le son, lui seul, et puis il a fait un avec Arafat. Ténor a le droit sur le son. Quand le son est sorti, c'est moi, il vous dit, péter les plombs là, ça, allez, déjà le son, si tu besoin d'écouter le son n'est pas bon. Mais maman, le deux côtés, elle a le porté plein côté de Ténor, elle a la voix d'Arafat dedans. Donc, elle doit payer droit. Ténor a payé, le dit pas de loin. Ténor a payé. En même temps, Ténor m'a supprimé le son. Aujourd'hui, le son n'a pas brillé. Ténor a fait un remise, pété le plomb, mais il a enlevé les voix d'Arafat. Mais s'il y avait voix, oh, quand il y avait voix d'Arafat, là, tous les Chinois, elle a la chance plutôt la Babi ici. Moi, c'est tout ce que j'aimerais dire. Merci beaucoup. Hé, hey, Djarabi. Ok. Djarabi. Attends, d'abord, oui, attends, d'abord, attends 2 minutes. Son. Voilà, on va passer la parole au ministre Abou. Il y a longtemps, le ministre de, je sais pas s'il est toujours dans l'Arogan, quoi. Abou, no, quoi là. Abou, le ministre. Ok, voilà, le ministre, on t'écoute. Il alors, est là, mais il n'est pas là. Je sais pas si toi aussi, tu as un événement organisé pour le côté de France. Darabi, oui. J'aimerais dire à Abou que c'est le maître Lutiro, il me connaît très bien. Ouais, c'est comme un bandit, j'espère que tu vas bien. Ouais, ça oui, va ça bien. Va, oui. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens de vous prendre en marche. Effectivement, ce que Lutour a dit là, il a parfaitement raison. Parce que dans cette histoire d'Arafat, la personne qui a gâté beaucoup de choses, c'est Maman Tina. Voilà. Et normalement, là, on est le 9. On devait organiser un truc à Paris. C'est-à-dire, je vous explique en même temps. On a fait une réunion ici, où la mémé était venue à Paris. On a appelé des partenaires qui devaient prendre le 12 août en compte cette année. C'est vrai que cette année, ce n'était pas un truc qui devait se passer à Bondy, on devait prendre une salle. Mais ça n'a pas pu se faire juste à cause de Maman Tina. Juste à cause de Maman Tina. Bon, en fait, elle, son problème, c'est l'argent. Son problème, c'est l'argent. Tant que tu ne lui donnes pas l'argent, il n'y a rien qui peut se faire. Mais ce n'est pas normal. C'est-à-dire que quand tu es contre Maman Tina à la base, moi, je suis là pour Arafat. Je te respecte en tant que la mère d'Arafat. Mais c'est Arafat qui a décidé, dès son vivant. C'est pas la Chinois qui a imposé l'hommage. C'est Arafat lui-même qui a dit dès son vivant. S'il meurt, chaque année, la date où il est mort, on doit célébrer ça. Vous avez pas vu la vidéo? Oui, oui. Mais, voilà, donc c'est Arafat qui a décidé. Et maintenant,
Le gars, il est mort. Nous, en tant que ses fans, on doit se motiver pour rendre l'hommage au gars chaque année. Tu viens, tu commences à insulter les gens. Moi, quand elle a commencé à parler de ça, moi, j'ai regardé en PV avec elle. Elle a commencé à m'insulter. Ouais, c'est son fils. C'est elle qui a mis son enfant au monde. Ouais, c'est elle qui décide. Si elle dit qu'il n'y a pas d'hommage, il n'y aura pas d'hommage. C'est quoi. Moi, je lui ai fait comprendre que faut dire ce que tu veux. Moi, c'est pas mon problème. Ce que tu veux faire, faut faire. Si tu veux poser plainte, faut poser plainte. Elle est venue m'insulter ici, de tous les noms ici. Mais nous, on va faire l'hommage. Bah, dis donc. Parce que quand elle va faire l'hommage, tu ne fais pas l'hommage. Pourtant, quand ton fils était vivant ici, quand les fanatiques étaient dans tous les coins d'Abidjan pour aller payer les tickets, mais pourquoi tu n'as pas dit aux fanatiques que non, c'est toi, c'est ton fils, faut pas qu'il va aller au concert, toi-même, tu n'as pas la soirée pour le regarder. Donc, en appelant l'argent pour aller dans les concerts, il est mort maintenant, il rend l'hommage, tu ne vis pas. Tous les sons d'Arafat sont bloqués. Même moi-même, j'ai des sons d'Arafat dans mon téléphone, mais non, on ne peut pas le mettre. On n'a même pas le droit. Parce qu'elle a fait le conflit avec sa maman, qui est notre mémé. À cause d'elle, tout est bloqué. On a appelé tous les éléments de la Eurogang. Bon, moi, je suis pas dans les trucs Abidjan. Ici, Landry, Ali Lokoud, Ivan, Jaguar, Ané, Abidjan, il devait avoir au moins un concert. On avait prévu trois événements à Paris ici. Sinon, deux. Un le 12 août et un le 26 décembre, à la date où il faisait tous ses concerts. On a des gens qui sont prêts pour ça ici. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment Arafat. Quand il y a l'hommage comme ça, les gens qui dans tous les coins pour venir à Paris, pour rendre l'hommage aux petits. Mais tu n'es pas prêt. Bon, à la fin, là, toi, tu fais quoi au juste? Tu fais qu'on oublie ou bien toi, tu fais quoi? Bon, Malembe qui est moi-même, depuis il y avait combien d'années là, chaque année, on s'aime le 11 août, mais on n'a jamais vu de ses parents venir se plaindre. Le gars, il est décédé dans la frustration. Il est décédé parce qu'on l'a boycotté. Malgré les morts, les Chinois sont en train de montrer que la mort n'arrête pas l'amour en rendant l'hommage aux petits. Toi, à ce moment, tu dois être fier. Pour lui, ils n'ont pas été beaucoup d'affaires, mon enfant. Malgré les morts, ils sont toujours prêts pour lui. Tu dois faire des artistes, il y a combien d'artistes qui sont morts en Côte d'Ivoire, et puis on parle même plus d'eux. Parce qu'on a aimé ce gars. On a vu le combat qu'il a mené pour nous. On a vu comment il nous motivait. Donc c'est nous maintenant, on a toujours promis qu'il n'y a pas de trahison en Chine. On est toujours prêts pour lui. L'hommage, c'est une fois dans l'année. Une fois dans l'année, chaque un an. Mais toi, en tant que sa propre maman, quand tu nous empêches de faire ça, toi, ton objectif, c'est quoi? Ton objectif, c'est quoi? Mais en réponse, c'est moi, il faut qu'on lui dise la vérité. Un t'es pourri la vie à la vie là-bas. Tu as créé une fondation, tout ça pour pouvoir pérenniser les œuvres d'Arafat. Tu empêches les gens de faire l'hommage, tu empêches les sons de sortir, tu ne veux même pas qu'on fasse un événement avec Arafat. Les gens m'ont peur d'elle. Moi, je lui ai dit, moi, je ne veux pas avoir peur de toi. Parce que moi, c'est Arafat dessus, je ne suis pas mon mantina. Moi, personnellement, tu ne peux rien m'empêcher dans tout ce que tu peux imaginer d'affaire d'Arafat. Parce que si tu es là, je peux montrer toutes mes preuves de A à Z pour montrer que je suis le ministre et je peux prouver que j'ai le droit d'organiser un truc envers Arafat. Faut partir où tu veux. Toi, et moi, ce moment-là, ça va faire masse. Sinon, ça va jamais résister pour toi. C'est pas que les gens m'appellent de toi. Moi, je dis que moi, je suis pas au Lopacha, je sais pas, attends. C'est Arafat, moi, je connais. Et de son vivant, tout le monde a vu comment j'ai bataillé. Et maintenant, le gars, il est mort. On nous dit qu'on peut pas faire dommage. Mais vous-même, vous voyez ça comment? Avec ce moment, tu es un moment quand tu respectes, mais toi, il faut te faire respecter. Tu ne vas pas empêcher les fanatiques de rendre hommage à l'artiste. Arafat a plus de 700 sons qui ne sont pas encore sortis. Comment vous pouvez m'expliquer ça? Plus de 700 sons. Et depuis sa mort, ça va maintenant 5 ans. Il n'y a même pas un son qu'ils ont fait sortir. Est-ce que ça, c'est normal? Plus de 700 sons. Tout ça, ça va finir sortir quand? Même chaque année, on peut mettre 2 sons, 3 sons. L'année, c'est 12 mois. Chaque 3 mois, on peut brasser un son. Tout ça pour faire plaisir aux fanatiques. Mais moi, ça nous fait mal, mais on peut rien faire. Donc moi, les trucs, ils sont dans nos téléphones, on peut se faire plaisir à la maison en écoutant les sons. Mais c'est pas parce qu'on est à côté de lui que c'est nous, on a le droit d'écouter les sons en exclusivité. Les fanatiques aussi, ils ont envie d'écouter les sons. Comment vous pouvez m'imaginer que 700 sons, la propre maman qui est censée pérenniser les œuvres de son fils, empêche les gens de travailler. Vous-même, vous êtes habité là-bas, vous voyez son comportement. Est-ce que cela, c'est normal? Tu as fatigué le petit de Paris, je suis désolé pour les familles, parce que tous les 12 jours, tu vois qu'on on le fait chaque année là. Moi, je suis pour l'organisation à 80%. C'est-à-dire que moi, je suis là-bas, en fait, j'ai l'impression que les gens ne sont pas motivés. Pourtant, moi, c'est un problème pour moi. Donc, je me dis, on est obligé. Mais malheureusement, cette année, moi, mon travail, on m'a affecté à Lyon, en fait, ici, dans une autre ville. Donc, je croyais que les gens allaient organiser. À la dernière minute, j'ai appris qu'il n'y a rien qui a été fait. Rien qui a été fait, en fait. Abou, c'est Djabi. Le réunion quand ouais, la femme. Ouais, ouais, merci, t'as quand même, elle est témoin. Même est-ce qu'il faut essayer d'expliquer à la Chine? Dis la vérité. Ouais, expliquer aussi à la Chine. Parce que moi, je pensais qu'il y avait un mouvement qui était organisé. Je comptais faire un communiqué le 11, en fait, pour expliquer, tu vois.
pour montrer que bon, cette année, ça va être un peu compliqué et tout, et tout, et tout. Mais c'est pas de ma faute. Sur les journaux, même, c'est que moi, le jour du mois 12 août, à 6h, ici, dans les lieux pour l'organisation. Il y a créé un groupe de WhatsApp où il y a, tout le monde est là. Memeo, Abiaso, Jaguar, Landrio, même la maman des enfants, les danseurs, les batteurs, tout le monde est dedans. Venons voir organiser un truc pour le 12 août. Parce que les Chinois même ont besoin de ça. Ils sont restés bouche bée. C'est hier, il apprend qu'il n'y a rien qui a été organisé. Les fatigues même me demandent. Même quand ça m'a appelé pour me demander, il n'y a rien. Tout le monde a peur de Maman Tina. Tout le monde a peur d'elle. Je ne sais pas là quel problème. Parce que c'est une fois de l'année. Mais comment tu peux m'expliquer que les fatigues jusqu'à présent, 5 ans après, sont toujours là? Mais comment plus de 700 sons, les sons ne peuvent pas sortir? Comment tu peux m'expliquer ça? Abou. Soit là, c'est pourquoi? Dis à la Chine aussi que Mémé était en France ici. Mais milliardaire, passé. Tu veux parler, il faut parler en même temps. On te écoute, il faut parler. Mémé est en France ici, le mois passé, pour même affaire, rien n'a été réglé. On a tout fait. Non, Mémé est venu, à la base, c'était pourquoi on fasse la réunion. Parce que Mémé était venu à Lyon. Moi, je lui ai demandé de venir sur Paris. Elle est venue sur Paris, c'est moi, mais c'est pas l'accueillir pour l'envoyer dans le logement et tout, et tout. On a appelé tout le monde. C'est pourquoi on n'a pas voulu afficher sur les réseaux sociaux. On voulait que les choses soient bouclées d'abord. On a fait une réunion où on était tous là, même les enfants, même les mêmes enfants. Il a appelé tout le monde était là. On n'a pas fait la réunion. Celui qui devait prendre en charge l'organisation des 12 jours d'aujourd'hui, il a dit, le problème, c'est Maman Tina. Pour que lui, il fasse le 12 août, parce qu'on a dit, bon, c'est, en fait, on a tout fait à Bondi, on vient en plein air, on fait tout, ça devient monotone. Donc, cette fois-ci, on voulait professionnaliser les choses avec les danseurs, voilà, même bon truc en place dans une salle pour bien organiser les trucs. À la réunion, le gars dit, il faut que Mémé appelle Maman Tina pour boucler avec elle, Maman Tina valide, parce que lui ne peut pas coller son image sur l'hommage, et puis du jour demain, Maman Tina va venir l'insulter, ça va salir son nom dans ses partenariats. Donc il faut qu'on règle ça. Mais Maman Tina veut rien savoir. Mais tu ne peux pas imaginer comme si découragé. Maman Tina veut rien savoir. Quand d'après elle, Mémé se met devant. Personne ne veut faire quelque chose. À cause de Maman Tina seule. Vous-même là, vous voyez ça comment? C'est pas que moi. La Chine, c'est pas que moi. C'est tout un groupe. C'est tout un groupe. Moi, je peux pas tout faire. C'est quand c'est l'humain qui fait la force. C'est quand c'est même tous ensemble. Moi, je peux pas danser, par exemple, et pas faire batterie. Mais si tous les morts, à quoi ils ont peur de Maman Tina, moi, je peux faire quoi? Je peux rien faire. C'est ça. Tu as raison, hein, tu as raison. Tout ce que tu as dit, tu as raison. Donc, essaie de voir avec Maman Tina, pardonnez. Je sais pas comment on va communiquer avec elle. Je ne sais pas si on va faire un live avec elle. On avait programmé, mais si c'est la même, c'était Fadila. Pour régler tous les problèmes, c'était, on avait programmé ça aussi dans le match. C'est-à-dire, on fait venir Maman Tina elle-même et puis la mémé pour venir régler les problèmes pour que tout ça finisse. Le gars dit, si ils ont pu faire ça, si Maman Tina valide, même l'année prochaine, là, au lieu de faire dans une salle, il va faire ça au casino de Paris. Au casino. Ça va prendre, même si ça va faire au casino, ça va prendre, mais bon que. Je dis au casino de Paris. Parce que Arafat, c'est un monument. Moi, je me déplace dans les villes. Je dis, même quand il m'en va dans le coin, le euro, c'est pas petit l'homme. Je jure. Même si il y a des quoi, il m'en va, il me dit, bien qu'ici, on ne connaît pas Arafat. Mais faut pas t'amuser. C'est une légende. Arafat, c'est pas n'importe qui. Et cet artiste-là, moi, il fallait faire comprendre que moi, je suis mémé. Donc, elle m'a dit, tant que moi, je suis mémé, elle va toujours m'insulter. Moi, c'est ma position. Donc, vous, je ne sais pas si vous êtes en contact avec elle, ceux qui peuvent parler avec elle pour qu'elle a cassé les dosés, pour qu'on essaie de donner une bonne image à l'artiste, et donc, allez-y, parler avec elle. Elle a cassé calmer. Sinon, est-ce que si maman. Et puis, regarde, moi-même, je ne sais pas, elle a beaucoup à perdre, même qu'elle a gagné, tu vois. Parce que imagine qu'elle est valide d'affaire à Arafat. La personne qui va bénéficier, même, c'est elle. Si tout est connu, je suis là, on dit t-shirt, même si c'est 1000 t-shirts, tout va partir. Bien sûr, tout va partir. Si tu vas faire les gens, de faire l'hommage, insulter les gens, et puis venir les mains pour dire que t-shirt. C'est pourquoi nous, elle est d'avis qu'elle a fait des moments, il y a quelqu'un qui a fait publication pour soutenir. On ne va jamais soutenir. On ne va jamais soutenir. Alors qu'elle avait son conseil là, elle nous a appelé, nous tous ici. Moi-même, m'a appelé. Ah, vraiment, merci pour tout ce que tu fais par Arafat. Tédé, voir mes petits enfants, ils voient tout dans les vidéos. Merci beaucoup, il y a mon conseil, il faut faire quoi, Dès qu'elle a fini de faire concert, on a fini de faire promotion de concert, elle a commencé à me suivre. Il y a plus en même temps, j'envoie ça à Mémé. Mémé dit, tu me respectes, tu es mon fils, faut pas parler. C'est resté comme ça. En fait, son problème aujourd'hui, pourquoi Mémé crée la fondation, non avec Mémé. Donc, elle est maintenant, mais coupe des pieds sur tout le monde. C'est ça seulement son problème, hein. C'est quoi, elle a créé tous les problèmes partout.
Mais entre Mémé et Maman Tina, depuis la mort d'Arafat, qui vous-même, vous êtes réaliste, vous voyez tout. Depuis la mort d'Arafat, entre Maman Tina et puis la Mémé, qui fait des choses pour aller dans le sens de Dachigan. Il y a beaucoup de millions de fanatiques qui doivent rendre hommage à des artistes. Tu veux, tu nous empêches. Et puis tu viens du jour demain, j'aimerais du coup venir acheter. Mais c'est trop facile. On achète notre rigot, puis là, tu prends l'argent là. Maintenant, nous, on rend hommage à. Tu parles pas de ça aussi? Non, tu fais plaisir à la Chine. La Chine te fait plaisir. C'est comme ça. Donc, essaye de voir avec elle. Si elle est là, ajoutez-la, moi, je lui dis. Il n'y a pas grand-grand même. Ok, d'accord. Merci le ministre. Ok, merci. On passe la parole. Il y a Fredon qui voulait parler là. Fredon. Ouais, bonjour, bonjour. 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 Moi, déjà, c'est ce que Abouno vient de dire là. C'est la même chose que j'allais dire. Aujourd'hui, là, s'il y a quelqu'un qui étouffe cette affaire là, c'est la vieille elle-même. Parce que je peux dire, elle aime tellement l'argent que elle ne sait pas comment faire venir l'argent. Parce que si elle était restée à sa place, qu'elle avait laissé même l'organisation dans la main de des membres même de la Eurogang, là, forcément, là, c'est un spectacle. Les gens achètent les t-shirts et tout ça. Forcément, elle aurait forcément ses revenus. Parce qu'il y a une part qui serait forcément destinée à elle et aux enfants. Maintenant, bon, les mères des enfants, elles sont dans leurs différents foyers. Donc là, logiquement, forcément, il y a quelque chose qui allait lui revenir. Mais actuellement, là, de façon, elle-même, elle prend les choses, là. Qui même va la suivre? Moi, j'ai vu sa vidéo où elle disait, comment on appelle, on va faire une marche par-ci, par-là. Et moi-même, j'ai dit ici, mais tu seras seul. Tu seras seul, parce que là, actuellement, là, nous, on est en train de passer à autre chose. Si vous avez bien remarqué, là, les gens musicaux actuellement qui prennent, là, c'est parce que depuis la mort d'Arafat, les gens n'arrivent plus à faire danser les gens. Parce que moi-même, ça me fait, c'est un peu honteux, en fait. Parce que logiquement, là, il y a un ministère de la culture. Et si elle n'était pas agitée, si elle n'était pas les conditions sur cette affaire-là, le ministère même de la culture pouvait investir dans le 12 août pour juste immortaliser le nom d'Arafat. Les gens même allaient décaisser. On a vu ici, Safari qui a dit ici, chaque 12 août, il allait faire un concert en hommage d'Arafat et tout ça. Mais si à chaque organisation, tu dois réclamer l'argent, l'argent-là, ça va venir vers toi. Ce n'est pas toi qui dois aller vers cet argent-là. Et regardez actuellement ce qui se passe. Je prends un autre exemple encore. Famille Tioté actuellement. Là. Qu'est-ce que les gens ont dit? Que non, même les biens que Tioté a laissés, ils n'ont rien demandé dedans. Parce qu'il a déjà perdre un membre de leur famille, là, c'est déjà trop. Pour venir parler même des biens. Si ce n'était pas le fait qu'on les a expulsés dehors actuellement, là, personne n'en allait parler. Donc là, déjà perdre ton fils, là, c'est déjà un loup poids sur toi-même. Mais tu es là toujours dans l'argent, t-shirt, venez ici, c'est moi qui fais ci, c'est moi qui fais ça. Non! Toi, reste à ta place, forcément, ce que les gens vont organiser là, ils vont t'envoyer quelque chose. Regardez le concert des VDA, le premier concert des VDA. Ils ont rendu hommage à Daisy Champion. Ils ont donné l'argent aux enfants, à l'enfant et puis à la famille des Daisy Champion, par reconnaissance. Donc, forcément, là, si les Chinois ont ça dans la main, là, ils vont te faire quelque chose, ils vont te donner. Parce que tu n'as pas dedans. Et puis, les enfants vont en bénéficier. Ce qu'il a dit tout de suite à ses paris. Voici les chansons qui sont là-bas. Le gars fait des chansons. Qui ne sortent pas jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la maman met des bras du jeu. Et tout cet argent-là, c'était dans l'optique de faire avancer les enfants d'Arafat. Et puis toi, la maman, tu en bénéficies. Mais quand il vient poser, non, c'est moi, c'est toi, tu tapes la poitrine devant d'abord. Mais là, les gens vont fuir. Les gens vont fuir. Les gens ont des occupations, ils ont d'autres activités à faire. La musique, là, c'est dans le temps. Voilà, c'est dans le temps. Et puis, la musique change de couleur. Même ceux qui sont vivants, ils n'arrivent même pas à s'en sortir. Non, c'est pas celui qui est décédé, là. Qui va, comment on appelle, que les gens vont, ils vont s'accrocher à lui. Si toi-même, tu ne sais pas le faire, il y a une méthode à faire. Donc, cette maman-là, vraiment, et puis Abouno dit non, quelqu'un doit l'appeler. Elle ne va pas écouter quelqu'un, parce que normalement, c'est la maman qui doit nous conseiller. Et tout le monde a parlé maintenant dans cette affaire. Jusqu'à, ça ne change pas. Finalement, là, les gens vont baisser les bras, puis c'est fini. Voilà, c'est fini. Parce que là, on ne va pas rester là toujours. Maman dit, là, chaque année. Et puis, si vous avez remarqué, c'est lorsque le 12 août approche, que elle, son amour d'Arafat sort. Mais finalement, on comprend que pourquoi même Arafat, dans le temps, il y a la clashée. On comprend aisément. Si aujourd'hui même l'enfant de Nikapol simplement prend un instrumental pour danser dessus, ça devient clash, il n'a qu'à venir payer. On comprend pourquoi dans le temps, le gars, il a des histoires avec elle. Les gens avaient mal compris, on condamnait Arafat ici. Okay, mais en bas, la vieille, elle se comprend pas. Bois de l'eau. Zendaya, on te compte. Donc là, je vais laisser les gens s'exprimer. Ok, merci. Zendaya, une fois, il n'y a pas deux fois ou même trois fois, tu vas descendre en bas. Zendaya, une fois. Ok. On va passer la parole à quelqu'un d'autre. Nous, puisque moi, je ne connais pas les lois, les droits là. Mais est-ce que ce n'est pas possible de lui enlever cette responsabilité là? Parce que si ça reste une femme. Pardon, on va t'a fait le loi encore. Pardon. Non, c'est sa mère, on ne peut pas lui enlever. Elle a posé une très bonne question. Pour que ces droits quittent dans sa main, il faut que les enfants aient d'abord 18 ans.
D'accord. Tant que les enfants n'ont pas encore 18 ans, c'est elle qui a tous les droits, vu que Arafat n'a pas marié légalement. Parce que Arafat, il était tellement intelligent, il a mis tous ses trucs au nom de ses enfants. D'accord. Il n'y a pas maman dedans, il n'y a pas femme dedans. Donc, comme les enfants sont encore mineurs, du coup, c'est la mère maintenant qui est obligée de tout gérer jusqu'à ce que les enfants aient 18 ans. Quand les enfants ont 18 ans, il n'y a personne qui peut parler. Y compris oncle, frère, tata, il n'y a personne, à part les enfants. D'accord. C'est tout. Donc, ça veut dire qu'on doit patienter encore quelques années. Dans 4 mois. Pas quelques années. Dans 4 mois. Ok, donc cette histoire non, mais patienter de ça, elle que les enfants n'ont pas la même gamme comme la grand-mère, c'est ça aussi. La même gamme, il y a le contrôle ici. Moi, mais si toujours les enfants, il y a la gamme ici, il ne faut pas t'amuser. Il dit à la chorale, il te reste 4 mois, il compte les jours. Parce qu'en janvier, elle va avoir 18 ans. Voilà. Ok, bah elle là, même là, en temps normal, Rafa là. Ça là, le 12 août, mais ça doit. C'est pour ça qu'elle a décidé de ne plus faire bruit. C'est la raison pour laquelle elle a décidé de ne plus faire bruit. C'est pas comme c'est elle qui décide, c'est pour elle faire bruit, non. Non, en patienter, jusqu'à quelques années. Voilà, sinon la légende va mourir sa mère. Ok, Garabi. Attends, nous, c'est que là, on doit la mettre sur tutelle alors. Ok, tutelle de la minute d'après. Ok, nous, on t'écoute. Termine, on passe la parole à quelqu'un d'autre. T'écoute. Attends, Miguel, elle va finir d'abord. Nous, on est tellement devant. Il y a des propos que si on dit, on va décider. Voilà, le ministre qui est là. L'année, je suis passée en France ici. On allait, les gens se sont déplacés de Toulouse partout. ABS dit que lui, sa grand-mère est décédée. La Chine est là. J'étais à la tata d'Arafat. Il dit, ma fille, tu vois ça comment? Il dit, ma mère en l'air, j'ai peur de ma matina. Ma maman ne va pas insulter. Il dit, je ne sais pas comment je vais expliquer. J'ai appelé à vous. Il dit, il ne peut pas libérer quelqu'un. Moi, je rentre à l'hôtel. Que lui, sa grand-mère est décédée, donc il n'aura pas 12 août. L'année suis passée. Cette affaire-là, ce n'est pas ma matina soleil. La famille a fait gangster si cette affaire-là. C'est comme si nous, on est là. C'est cette famille-là qui va nous gérer. Quand il y a 12 août, il y a un problème. Il dit, l'année suis passée. Oui. Tata, je ne coupe pas la parole. Hein. Si tu vois qu'il y a un président Maman Tina là, parce que c'est Maman Tina qui peut créer le problème. À part Maman Tina, il n'y a personne qui peut parler à Arafat. C'est 12 jours que tu parles de ça là. Tu te rappelles quand Abed a commencé à faire grand grand, tu vois qu'il y a mis coup de pied sur lui, non? Je vais faire comprendre que dans l'affaire Arafat, si moi je vais parler, et puis toi, Abed, tu vas parler. Toi, tu es son cousin à la base. Après, tu ne peux rien décider. On dit que quelqu'un est décédé là-bas. Mais au match quand tu es là, c'est pour qui? C'est pas pour quelqu'un qui est décédé aussi. Mais des affaires par là. Mais bien sûr, il faut qu'on fasse par là. Parce qu'on ne peut pas finir de faire l'affiche. Pour balancer aux Chinois, et puis après c'est débattre avec la radio, non, c'est quoi. Bon, pour ne pas trop parler, hein, à quoi de ça, hein, quand on a fait faire réunion, maman me dit, on va consulter la famille pour organiser, tant, tant, c'est une famille, faut en faire parler, tant, tant, tant. Bah, depuis ce jour-là, pour moi, c'est des problèmes. Donc, il y a des trucs dans la famille. Mais attends, on parle des Chinois comme dit n'importe quoi. Est-ce que vous-même, dans vivant dans la forêt, vous pouvez parler d'affaires des Chinois? Mais après, c'est moi, c'est fou de la Chine, moi, je ne peux pas m'éteindre pour regarder ça. Les gens sont déplacés. Toi, tu fais quoi, il n'y a pas hommage de m'éteindre pour regarder, parler de qui? C'est pas possible même. C'est pas des 12 sources là, on va faire ça en bridge. L'année passée, on a fait ça en bridge. L'année passée encore, on a fait encore. Bon, cette année maintenant là, Mémé a fini de parler, j'ai respecté net là. Voici ça. Rien. 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 Ça me fait, en fait, j'ai mal. C'est pourquoi dans deux jours, je peux pas trop parler. Parce que quand il parlait là, vous-même, vous connaissez mon affaire de vidéo. Quand il y a mes neveux déjà, il a commencé à regarder dans tous les détails. Et puis bon, après, Mémé va venir dire que c'est quoi. Parce que Mémé qui me demande de me calmer, puis je me calme. Parce que moi, j'ai le foudre, je ne sais pas ça. Les gens se sont battus des vivants d'Arafat. Appelez les tickets. Il est mort maintenant là. On fait les manquer de respect. Et puis, on me demande de me taire. C'est trop compliqué. Vas-y, donne la parole à quelqu'un d'autre. Yaya Draman, je ne sais pas qui devait parler là. Draman. Oui, bonjour. Arafat, c'est. Je ne sais pas comment je vais dire quoi. C'est quelqu'un qui a pu faire son temps. Nous tous, on l'aime. Moi, tout ce que je peux dire là, que la maman là n'a qu'à faire pardon. Elle n'a qu'à comprendre que la jeunesse d'aujourd'hui là, nous tous là, on est là pour Yoro. Les gars n'est plus là. Sur la toile là, il n'y a plus ambiance, il n'y a plus amusement, il n'y a plus les. On dit, on commence à s'amuser, on commence à faire bruit. Même hier, même nous, on parlait de ça en tout. La vieille n'a qu'à faire pardon. C'est fait pardon là. Le nom de son enfant là, jusqu'à des générations à venir là, ça a continué à avancer. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Allô? Oui, on t'écoute, oui, tu peux parler mexicain. Mexico, on t'écoute. Allô? On t'entend, il faut parler, Aïe. Bonjour.
Allô? Bonjour. Allez, bonjour, bonjour, vas-y, on t'entend, vas-y. Faut les laisser. Hein, Ronnie, on t'écoute, tu as quelque chose à dire. Tu comprends pas la région. Ok, moi, en tout cas, moi, tout ce que j'aimerais dire, j'avais à dire, c'est, voilà, comme je l'ai dit quand je parlais tout à l'heure, le ministre, quand lui-même le monté, il a tout dit. Voilà, ben, moi, monsieur, dans ce groupe. Voilà, tout ce que j'ai tenté de dire, comme vous avez vu, le ministre est monté, il a tout confirmé déjà. Là, parce que tout ce que j'ai dit, il a suivi, et puis voilà, c'est de eux que je parlais. Ce sont ces personnes-là qui faisaient aujourd'hui que nous, on parlait beaucoup, on suivait beaucoup Arafat. Quand il y avait Arafat avait un souci net, ou bien Arafat avait tel sujet, c'est grâce à ce ministre aujourd'hui, nous, on avait posé toutes les informations concernant Arafat. Mais aujourd'hui, si ces personnes-là, aujourd'hui, comme il le disait tout à l'heure, ces personnes-là, aujourd'hui, elles ne font plus, ils peuvent le faire, mais à cause du moment tinet, ils ne le font plus. Vraiment, c'est vraiment triste. Lui-même, il est monté encore, il a déjà tout dit. Voilà. Aujourd'hui, là, moi, c'est plus. Ben, si la personne a pu reprendre ça là, pour quitter son monde, nous, les Chinois, là, on va montrer qu'on est toujours là. On va montrer qu'on est toujours là. On est toujours fanatique de Yoruba. On va toujours là, et montrer qu'on est toujours là. Nous, Arafat ne va jamais tomber. Et puis, c'est pas elle qui a fait. C'est son enfant, mais c'est pas elle qui peut faire tomber Arafat. C'est Dieu qui a fait Arafat, qui a fait tomber Arafat. Donc, elle, là, on va penser qu'elle peut faire tomber Arafat. C'est son nom, son nom, là, a toujours demeuré. Elle a mis ça dans sa tête. Le ministre a tout dit, moi, il n'y a plus rien à dire. C'était tout. Merci beaucoup, Jarabin. Je vais demander une motion. Je peux? Allô? Oui, on t'écoute. Ok. C'est que le gars vient de dire. Même si. J'aimerais parler un peu sur le sujet. Parce qu'aujourd'hui, la dame s'élève. Aujourd'hui, que non, le petit a volé le son d'Arafat, comme ça. Commencer à jurer le petit qui a un bras. Donc voilà. Il n'a pas chanté sur le son. C'est juste l'instrumental, il a pris pour chanter là-dessus et danser là-dessus. Donc, elle n'a pas à se plaindre pour dire il a volé le son de mon enfant. C'est au contraire même là. L'enfant donne le goût au fait de danser quoi. Parce qu'on est en train d'oublier certains trucs un peu. On oublie. Et aujourd'hui, l'enfant vient et danse sur l'instrumental de ton fils. Tu vas te plaindre. En tant qu'une mère, c'est truc donc elle a essayé de faire là, ça se fait pas. Voilà. Il reste toujours gravé dans notre cœur. Est-ce que je peux parler? Je peux dire quelque chose? Mais pourquoi on les entend pas même? Ok, Roi, on te écoute. M'entendez? Oui, ça va. Okay. Bonjour à tout le monde. Abou, c'est comment? Eli. Bon, le problème qui est là, nous tous on est mis à Arafat. Hein. Oui, ça va. Nous tous on est mis à Arafat. Mais tant que celle-là, elle est là, moi, je pense qu'elle va vouloir tout bloquer. Voilà pourquoi moi, j'écrivais dans les commentaires d'aller voir Padre, puisque c'est Padre qui la maîtrise un peu. Parce que tant que celle-là, elle est là, Arafat, c'est pas un petit artiste. Hein. Abou vient de le dire. Nous tous, on sait qu'Arafat, là, c'est pas un petit. Et aujourd'hui, là, c'est en train de mourir comme ça. Ça veut dire que tous ses efforts et tout son talent qu'il a mis en jeu, là, en train de mourir. C'est en train de mourir à cause de qui? Ces sorciers-là. Parce que c'est pas aujourd'hui, là, commencé ça. Vous la connaissez bien. Et si c'est aujourd'hui comment ça a commencé cette connerie là. Dès son vivant, elle a nuit petit là, quand il n'est pas là. Dans encore dans ton banco dans la nuit. Tchè. Donc t'as dépassé le grade même là, il sait pas. C'est dans quel grade toi t'es monté maintenant dans la sorcellerie au fait. Tchè. Donc.